Bienvenue dans l'entre du paranormal. Dans l'entre du paranormal, nous sommes au château de Précy dans le Jura. Voilà, au château de Précy. Donc c'était les sires de Dramelay. Construction des sires de Dramelay. Fin 1240. Voilà, c'est ça. Et donc qui a succédé à Nicolas Rollin en 1423. Et démantelé en 1500 et quelques par Louis XIV. Il me semble. Là, c'est ça. On va dire le connerie, vous regarderez sur Wikipédia. Voilà. Et donc nous sommes ici aujourd'hui dans ce site vraiment magnifique. Parce que c'est le cas. Il est vraiment magnifique. Et pour voir si éventuellement nous pouvons trouver peut-être un phénomène ou pas d'ailleurs. Peut-être d'anciens habitants peut-être. Voilà, car nous ne sommes encore une fois pas là pour inventer des phénomènes, mais visiter des lieux chargés en histoire. Et pourquoi pas, peut-être y trouver des choses. Voilà, y découvrir quelque chose. Y découvrir, voilà. Donc, comme dans notre habitude, on vous invite à partager notre travail. Donc, de vous abonner aussi sur la page 7 Spiro sur YouTube. Voilà. N'oubliez pas la petite cloche pour avoir les notifications. On vous invite également à nous rejoindre sur notre page Facebook, l'entre du paranormal. Voilà. Et vous êtes les bienvenus tous, hein, pas de problème. Il n'y a aucun souci. Voilà, n'hésitez pas à nous partager aussi vous vos vécus, comme on vous l'a dit. On est encore désolé pour la vidéo de l'épisode 5 ouais. Qui était très très chargée. J'espère que ce soir je n'aurai pas cette surprise. Enfin voilà. Donc on vous remercie encore pour tous vos partages. Merci à tous. Oui. Et bon visionnage pour l'épisode 6 de l'entre du paranormal. Nous arrivons sur le pont du château avec notre ami Brice à mes côtés. Toujours. De chevaliers d'ailleurs, c'est un superbe endroit où il y a les forgerons, des anciens métiers médiévaux. Il est super sympa. Et bien gros enfants et tout, c'est vraiment un endroit. Il y a eu même des tournages de films faits ici. La journée, l'homme glisse, c'est quelque chose que je ne savais pas. Oui, voilà. Plusieurs. Tu sais le titre, non? Non, le titre n'a pas été encore dévoilé. C'est encore un truc de viking et chevalier, je crois, il me semble. Ah, ça doit être hyper sympa. Ouais. Bon, ben voilà, donc vous êtes au courant, mais dans un endroit qui est quand même réputé dans le Jura. Hein. Je pense que la plupart des Jurassiens connaissent l'endroit. Le reconnaissent, hein. Il n'y a pas de souci là-dessus. Donc, encore une fois, vous avez vu, voilà. Vous voyez que la bétonnière. Oh, c'est l'abbé des chrétiens portugais, la bétonnière. Ah, il l'a fait. Allez, je fasse ma blague pourrie. Dédicace à un ancien portugais, à Maccabée, non? Qui ça? Maccabée? Oui, bon. Qu'est-ce que je te dis là? Tu veux que je te parle en concumcha ou quoi? Oh, caray! Ouais, bon, les habitués comprendront. Voilà. Donc, pour ce qui est du lieu. J'ai entendu un bruit comme une porte qui s'ouvrait, en fait, une porte métallique. Une salle de tir qu'on appelait ça. Non, regarde, ça a été. Ah non, c'est les latrines, je crois bien. Ouais, je pense plutôt, oui. Ouais. Je croyais que ça a été rebouché, mais ça devait être les latrines qui étaient là. Ouais, sûrement. Donc voilà. Ah oui, à l'époque aussi, il fallait bien les faire caca. Il a fallu qu'il la fasse. Ah, ok, oui. Donc, voilà. Est-ce qu'il est là? Il est là. Je suis là. Donc, voilà, c'était un endroit pour faire ses petits besoins. Voilà, l'endroit des anses, comme ils appelaient ça.
Oh, mais des escaliers. Ouais. Ah non, les latrines, elles sont là, regarde. Regardez bien. Et puis celle-là. Regarde en dessous. Ah oui, voilà, bah c'est ça. Donc on a fait les petits cabinets. Après son caca. La vache, vous vous rendez compte qu'ici, il y avait de la fécale, de la matière fécale. Il n'y a plus rien naturellement. Mais c'est un chiotte. Oui. Voilà. Tu vois un peu, là, la hauteur. C'était quand même pas mal, je trouve. Non, je... Ah, c'est là, fallait que je la filme. Mais ouais, c'était c'était quand même confortable. Bah, je pense que... Non, on voit quand même ça a été refait, hein, par contre. Ah non, c'est vraiment de la pierre taillée. Oui, c'est vraiment de la pierre taillée, ouais, donc c'était hyper beau, quoi, à l'époque. Pour la toilette, en fait. Mais je pense qu'il devait y avoir une planche en bois quand même, parce que l'hiver, tu te gelais les fesses. Ouais, à mon avis, ouais, je pense. Quoique, je sais même pas. Une sorte de corde. Ah oui, en fait, il y avait deux toilettes. Homme et femme. Il y a celui de Brice, puis il y a le mien. Voilà. Voilà, il y avait apparemment une sorte de chauffeur. Toi, je vais essayer de te rejoindre de l'autre côté. Je pense qu'il y a dû y avoir des bâtiments, mais à quoi servait-il? Je sais pas, ouais, du tout. Je pense aussi, je m'avance, mais est-ce que je peux sortir? Non. Avant, oui. Je vais faire, je vais passer là. Une planche. Alors, nous avons Seth qui essaie de nous faire de la varap. Fais gaffe, il y a une ruche au-dessus. C'était un genre de... C'est une cheminée, je pense. Je pense aussi. Hein? Non, tu vois, ça fait un trou, quoi. On va pas avoir des chiottes partout, quoi. Là, je suis vraiment sur un visiteur de toi. Hop, hop, hop. On s'en va de là. Excusez-moi, il y a les ruches. Là, tu peux redescendre par là, je pense. Il n'y en a qu'une de ruche. Ouais. Elle est là. Elle est bien, on va pas les embêter. Non. Donc Brice me voit l'homme qui tombe à pic, je suis pas testé. Apparemment on descend des mètres de là. C'est ici qu'un coup je me suis cassé la figure, moi. Hop là. Oh, joli saut, je l'ai eu en plus. Voilà. Bande d'une pipe. Voilà, visite des ruines, château. À vos risques et périls. Donc encore une fois. Hein. On ne cessera jamais assez de le dire, on va dans des endroits qui sont risqués, donc forcément on vous invite à faire attention on vous invite à pas y aller, si ce n'est en journée comme oh oui, en journée vous pouvez, il n'y a pas de souci. Alors là on a une sublime voûte, vraiment sublime. Ah oui, ce sont les lumières de la ville qu'on voit en fait. Voilà, c'est ouais. Donc tout en bas là-bas, ce que vous voyez qui finit à tout fond, là c'est la ville d'Orgelaine. Ouais, c'est ça, c'est la route là-bas. Qui elle-même, la ville, possédait un château. Il y avait un château. Il y avait un super château à l'époque, qui n'y est plus d'ailleurs. Qui a été rasé comme celui-là, de toute façon. Non, il y a la tour, il reste une tour. Peut être un appartement. Oh, on a l'impression qu'il y a quelque chose au-dessus. Là, il y a une. Voilà. Donc là, il y a une. J'ai envie d'y descendre. Il devait y avoir, je pense, un souterrain. Non, on ne peut pas y descendre. De toute façon, c'est. Voilà. Ah, bah après, le château était sur plusieurs niveaux, faut le savoir. Hein. Il y a plusieurs niveaux, donc. Je pense qu'ils ont dû gratter. Et donc, pour ce qui est du château, donc, là, si on redescend, on va dans un champ où il y a des combats de chevaliers, etc. Voilà. On va sûrement monter un peu plus tard. Et donc, voilà, là, on fait essentiellement le tour du château pour le moment. Ça a l'air un endroit plutôt paisible, hein, les... Oui. Quand vous voyez la hauteur des murs, il y a combien de mètres, à mon avis? Vraiment, c'est, on dirait, c'est digne d'un bâtiment. Quoi. C'est énorme. Ça, pour essayer de monter dedans.
touristes, là, on est passé dans un passage qui nous ramène d'ailleurs à l'entrée, hein, c'est ça, du château. L'entrée qu'on avait présentée au début de... Il y en avait une qui faisait tout le tour, parce que regarde, il y en avait une aussi, là. Tout à fait, ouais, c'est ça. Donc ouais, voilà, ouais, exactement. Ça traversait. Ah oui, il devait y avoir certainement des gardes, je pense. Et il devait y avoir des entrées, peut-être, pour certains personnages, et puis les autres passaient par la porte principale, je pense. Ça peut être ça aussi. Donc voilà, nous sommes de nouveau... vers la voiture. Vers la voiture, à l'entrée, où il y a le fameux pont. Le pont, oui. Et on vient d'avoir... Donc on se repose un petit peu en attendant, hein, puisque on a fait le tour du château et donc on a commencé à entendre quelques bruits. Après, hein, ça peut être des animaux, on va pas s'alarmer, mais... Par contre, on a eu un phénomène odorant. Odorant, ouais, voilà, ça sentait le soufre. On va pas se mentir, ça sentait le soufre. Donc comme dit Brice, ça sentait vraiment le soufre. Voilà, le soufre de ce pourri, enfin voilà, quoi. Et on sait très bien que quand ça sent cette odeur-là, en général, c'est pas très bon. Alors, est-ce qu'il y a une fosse septique ici? On ne sait pas, parce que ben, ça sent un peu quand même... Puis c'est parti, là, l'odeur. Mais tout à l'heure, je croyais qu'il rigolait, du coup, je me suis mis à rire, mais en fait, non, il rigolait pas. C'est moi qui suis en train de déconner. Et du coup, l'odeur est arrivée à moi, je me suis dit, ouais, en fait, effectivement, c'est vrai qu'il a raison. Ça sentait vraiment très fort, vous savez, un peu comme... Alors, je ne sais pas si vous avez pu entendre, mais là, c'est... Et putain, c'est quoi? On va fermer la voiture, Brice. Oui. On va aller là-bas. C'est bon, t'as tout? C'est bon. C'est bon, c'est bon. Putain. Oui. Ah, tu... En fait, où il y avait le pont de vie, quoi. Tu vois, on aurait même pu passer. Enfin, mais il y avait les orties et tout, on peut pas passer. Oui, on entend le bruit. Pourtant, voilà quoi, c'est de l'herbe. Et on entend vraiment des pas ici. Ce qui est marrant, parce qu'il n'y a rien. Encore une fois, comme d'habitude. Ça vient de derrière, j'entends les bruits. Bah, viens, on va voir. Ça sent comme la mort. Ça pue le soufre. Quoi? On va pas trop aller dans le bois. Bah, bah viens, c'est de la route. On va dans le bois avec le train. Bah non. On va juste monter pour montrer qu'il n'y a rien, quoi. Donc vous voyez, on est aux abords du château. Avec Brice. C'est une route. Vous voyez, là il y a le chemin, et ben, on entendait des bruits, mais apparemment rien de bien pour le moment. Il n'y avait rien, quoi. Il n'y a rien du tout, quoi. On va redescendre, on va aller où je t'ai dit. Autant c'était calme et pesant, mais là c'est... Enfin, autant c'était calme, je veux dire, mais là ça commençait à devenir un peu lourd. Ouais, pourtant on a fait le tour tout à l'heure, cette fois c'est calme. On a fait le tour, mais voilà. C'est bizarre, on arrive là, il y a cette odeur. Ça pue ici, c'est pas sous la bâche, je trouve. C'est quoi, du sable, non? Si, ça pue. Hein. Tu y sens ça... Ah putain, c'est malodorant ici. Attends, on y sentait pas tout à l'heure. Ouais, ça marche là-haut. Après, tu sais, l'odeur d'eau croupie, des trucs comme ça. Je sais pas, ouais, de fausses sceptiques. De... C'est du sable pourtant, c'est. Ou de la chose, on sait rien. C'est que du sable, ça. Il n'y a pas quand même un cadavre là-dessous. Non, mais un cadavre d'animaux, oui. Cadavre d'animal, je veux dire. Excusez-moi. Je crois que c'est possible. Ah, c'est... Bah, pourquoi on ne l'a pas senti tout à l'heure?
Parce qu'on n'a peut-être pas fait gaffe. Je pense pas. Ça fait deux fois qu'on voit passer un avion de chasse. Commence à revenir. Je t'ai dit. Ouais, moi non plus. Alors c'était paisible jusqu'à présent et d'un coup. Je te propose qu'on aille où je t'ai dit. On sera peut-être un peu plus couvert. Non, qu'est-ce que t'en penses? C'est un endroit qui est quand même pas mal chargé là-bas, tu vois. L'endroit où je t'ai parlé, c'est pas mal chargé. Voilà l'entrée du château. Hein. Oh. Il y a un truc qui est autour de nous. Qu'est-ce qu'on fait? On se tente le coup d'attendre un peu là-bas? Non? Qu'est-ce que t'en penses? Hein? On va essayer de monter au château, puis on verra si on a entendu lui. Ouais. Parce que là, tout à l'heure, j'ai entendu quelque chose d'ici, donc... Qui est là? Et tu vois, regarde, il manque une partie. Il manque une partie du mur en haut. Ouais. Tu vois, on aurait dit que c'était fermé en bas. Putain, il y a encore un sauteur. Ouais, c'est ce que je te dis depuis tout à l'heure. J'aime pas ça. Moi non plus. Ça pue, c'est ça sent le souffle. C'est quoi? Je sais pas. Stalactite. Stalactite et stalagmite. Mythe monte, stite. Tombe. En attendant, j'ai l'impression que c'est mieux que l'on vient tomber vu l'odeur. Je vous dis, je sentais chargé tout à l'heure et je pense que je me trompe pas. Il y a, je ne sais pas, une odeur qui nous suit depuis tout à l'heure. J'espère qu'on n'est pas en train d'être suivi par un quelconque. Une chose démoniaque. Merci. Non, parce qu'on est assez subi la dernière c'est fois. Bon, on a eu déjà des soucis. Ouais. J'ai pas spécialement envie que ça commence. Ouais, là, c'était bien une porte, hein, tu vois. Ah bah oui, regarde. Il devait y avoir une porte voûtée, là. Une super voûte, ouais, ouais, ça devait fermer ici. Ça devait être super beau à l'époque. Franchement, ouais. Donc, c'est un endroit, pourtant, qui est paisible la journée. Enfin, même, enfin, jusqu'à tout à l'heure, c'était... Ouais, jusqu'à... C'était vraiment paisible. Moi j'avais vu un truc blanc par terre, un truc. Je me suis dit peut-être que c'est ça. Quoi.
Ouais, écoute. Qu'est-ce qu'on fait ? Toi, la ligne à 7. Mais c'est toi qui l'as fait tomber tout à l'heure, je l'ai vu. La peau. Mais c'est l'odeur que j'aime pas. Wow. C'était quoi ça? Ça fait tic-tic. Non, ça fait fiu. L'ordre du temple est-il encore ici? Y a-t-il encore des soldats? C'est bien ce que je pense, il y a encore des militaires ici. Des soldats ? Je vais essayer. N'ayez pas peur, hein, vous pouvez communiquer avec nous. Hein. Non nobis domine, non nobis sed domini, tuo da gloriam. Templier un jour, templier toujours. Telle est notre devise. La devise des Templiers. Donc s'il y a quelqu'un qui se manifeste. N'ayez aucune crainte. Pour l'ordre et pour l'honneur. Moi, je sens l'air pesant, chargé. Y a-t-il encore des frères ici ? Répondez, s'il vous plaît. Y a-t-il encore des frères ? En aucun cas, nous sommes... Oh putain! Une chauve-souris ici qui est passée. Ouais, non mais. Putain, on a des trucs de malade là. J'ai presque envie d'aller derrière là-bas. Je sais pas, je suis atterri là-bas. Ouais, mais pourquoi? Pourquoi? C'est une arche. Ça vient de la porte. On remonte. Alors à savoir, depuis tout à l'heure, on est en train de faire le tour du château avec Brice. On n'avait pas spécialement, d'ailleurs on n'avait rien du tout, on se sentait même plutôt serein. Et d'un coup, on a décidé de faire une pause et de revenir pour voir un petit peu. Je l'ai dit d'ailleurs, on va se poser un petit peu dans l'endroit là-bas. Je le sentais un peu chargé cet endroit. C'est l'endroit où il y avait les gardes, c'est ça ? Où il y avait... Putain, on n'entendait pas. On entend des trucs, on est juste à la porte comme ça. Oh putain, c'est quoi ça ? Qui est là ? J'entends... Oh putain, Brice. Quoi là-haut ? Il y a un truc là-haut. Il y a quelque chose là-haut. Alors attendez, je vais remettre la caméra à fond. Je veux que ça se voit.
voyez, on est juste dans la courte. Et ça me fait putain. T'as entendu? Oui. In nomine Patriae, Filii, Spiritus Sancti. C'est peut-être simplement des gardes. Oh. C'était en dessous là, non? J'entends quelque chose marcher là. Ouais, ouais, moi j'ai carrément entendu un truc là-dessous comme si quelqu'un sautait. Putain. T'as entendu de tap-tap? Ouais, ouais, si j'ai entendu. Tu as tapé un morceau de bois. Ouais, ça m'a fait un froid là même. Putain, on a quelque chose ici, les gens. Ouais. Alors, vous voyez, voilà, comme d'habitude, on pensait pas. Là, franchement, c'est s'il y a vraiment un endroit où je pensais pas, c'est bien là. Parce que. On commençait à parler des Templiers, là, ça. Wow. Pourtant, on y vient en journée, je veux dire, c'est un endroit qui est chargé d'histoire, certes, mais là. Là, on commence à avoir des trucs. Ça a commencé avec une odeur. Une odeur pestilentielle. Et c'est ce qui nous fait flipper d'ailleurs. Parce que, ben. Justement, c'est ça qui me fait flipper, moi, Brice. Tu vois? Tout à l'heure, j'ai entendu un pire bruit, c'était juste en bas là. J'espère que je l'ai filmé. J'espère que je l'ai filmé, tu vois. Ça venait de là, là. Juste en dessous, là. Et bizarrement, tout à l'heure, pareil, il y a un truc. Et ça donne derrière, mais ça donne là. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est ça le truc. C'est que voilà quoi. Je me fais pas des films, j'ai eu l'impression d'avoir quelqu'un qui est passé. Chut, écoutez. Putain là-bas. T'as entendu? Que si on avait pensé quelque chose. Sans l'odeur qui arrive. Vous allez dire, ouais, vous vous faites flipper, vous êtes dans la forêt, je suis d'accord. Mais là, honnêtement, je ne crois pas bien que. Bizarrement, j'ai ma cam qui est en train de se bouffer. Je viens de changer tout juste la batterie. Donc il y a quand même quelque chose qui n'est pas net. Il y a quand même quelque chose de pas net. Je veux bien que ma batterie se décharge. Habituellement, normalement, elle devrait me. Oh putain! Et je sens un de ces froids, la brise. Alors ce qui est bizarre, c'est que tout à l'heure, j'étais à ce même endroit, et c'est ici que ça a commencé, dans ce fameux tunnel. Et bizarrement, c'est quand Brice avait parlé des Templiers. Et c'est un peu ça le problème, c'est que je pense que... Je sais pas, je sens l'envers. Putain, frelon.
a pas de chevaux ici. T'en entends des trucs de malade. C'est bizarre, je connais super bien l'endroit, j'ai jamais ressenti ça. C'est pas là-bas qu'il y a le truc de vision, là, de... Le machin de vue, là, c'est là-bas, là. On va là-bas. Pourquoi? On va là-bas, on bouge pas. Non. Moi non plus, à vrai dire. Oh, écoute, écoute. T'entends? Écoute. Alors, je sais pas si vous entendez, on a des... On n'ose pas trop faire de bruit parce que. Hein? En même temps, on ne sait pas trop qu'est-ce que ça peut être. J'espère que c'est pas. Encore une fois, on est dans la forêt. Mais là, ça ne vient pas de la forêt. De la forêt, un animal ne chante pas. On n'a pas des trucs qui. Voilà. Moi, je pense qu'il y a autre chose. J'entends marcher ici. Donc on entend marcher. On entend marcher, Brice. Je pense que ça vient de là. En fait, je sais pas, c'est bizarre. Ça vient de là, ça vient de là, ça vient de là-bas. C'est ce qui est flippant, quoi. C'était tranquille il y a 10 minutes, un quart d'heure. Donc moi ça me fait flipper quoi. C'est un flou qui vient de se poser en même temps que toi. C'est ça que j'ai pas envie d'entendre. Là derrière, derrière. Derrière Brice. Putain, on a des sortes de drôles de bruit. Oh, ça vient de là derrière là. J'ai l'impression de sentir comme dans une attaque. Ah ouais, mais c'est tout à fait ça. Ça vient de là derrière, là-bas, je te dis. Oh putain, je vous raconte pas l'histoire. C'est que déjà tout à l'heure, on sentait une putain d'odeur de merde ici et... C'est quoi ça? J'ai entendu? Ah bah ouais, j'ai entendu. Là, 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 là. C'est bizarre, on entend des putains de bruit ici, y a rien. J'espère que vous entendez. Que j'ai mis le mic.
Qui est là? Y a-t-il quelqu'un parmi nous? Êtes-vous partie de l'ordre des Templiers? N'ayez pas peur, hein. On ne vous veut pas de mal. On ne vous veut pas de mal. Vous voyez qu'il n'y a rien, quoi. J'ai presque envie de monter, là. Je crape à hutte pour voir, pour faire montrer que, comme quoi, il n'y a rien. Hein? Non. Non, c'est pour montrer quand même que, voilà, quoi. Ce qu'on entend, bah, il n'y a rien, quoi. Il n'y a personne. Ça vient pas de nulle part, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Hein? Non, mais c'est ça le truc, tu sais. Ça vient d'où ça? Quelqu'un balance un pavé. Ouais, bah c'est quoi? Moi je descends vite, je me casse. T'as vu ça où? Là. Où? J'ai entendu juste comme un pas. Le gros pavé là, parfait. J'ai entendu. Là, il est là. Où? Là où j'ai mon doigt, regarde, où j'ai l'ombre. Non. Là, il a roulé le machin. Oh, moi je reste pas ici. Hein. Ne me suivez pas, s'il vous plaît. Qui êtes-vous pour nous agresser? Qu'est-ce qu'on a fait? Steph, il ne me reste plus qu'une barre sur les voitures. Ouais, ben moi c'est pareil. Je vous jure, on nous a balancé un pavé. Il a roulé par terre, il est tombé. Bah, je pense que ça joue, j'étais en train de filmer en bas. Donc, Là, je suis en train de filmer en grand angle, donc on le voit, mais on voit aussi ce qu'il y a à côté. Putain, il y a drôle de bruit là. Il y a un drôle de bruit là. Pas les bienvenus, là, sur le coup. Moi je crois que t'aurais pas dû parler le machin. Bah bizarre hein, ça allait bien et tu parles des Templiers, d'un coup c'est parti en couille. Non mais y a rien, c'est hallucinant, c'est un truc de ouf. Non mais t'es sûr que t'as vu le truc rouler là? Brice, hein? T'es sûr que t'as vu ça rouler? Ah oui, le pavé, il est par terre, regarde. Quel pavé? Là, celui-là. Regarde, je m'arrête pas. Ce pavé-là qui a roulé. Celui-là. T'es fou, toi. Il a roulé par terre. Il est sorti du mur, il est tombé par terre, c'est celui-là. Mais comment regarde, ça, il est là. Ça peut pas descendre de là. C'est ça qui est tombé. Wow. Ça. Il a roulé, il a fait que ça. Que ça, voilà. Là, ce que j'ai entendu, j'étais là. Sur la... Et en plus, on doit l'avoir à la caméra. Viens. Toi, ça le fait plus. Vraiment un truc de fou, ça. Désolé. C'est vraiment un truc de taré, ce qu'on a entendu. Pourtant... Va.
Qu'est-ce qu'on ferait pour les irrécupérables? Bah non, le, si, si, faut y aller là. C'est bizarre quand même. Je veux pas partir sur un... Tu vois quoi? Surtout cet endroit qu'on connaît quoi. Ils ne sont pas en bas de chez toi. Bah... Pourtant c'est l'endroit où on le connaît, Brice. Putain, j'ai comme un... Ça m'a fait comme un visage dans la caméra. Regarde. Là, ça m'avait fait comme un visage. Je te dis... Bah par qui? Est-ce vous, Seigneur Nicolas? C'est toujours là-bas, c'est ça qui est marrant. Et même l'odeur, t'as vu? La fameuse odeur pestilentielle, c'était là-bas. J'ai entendu du bruit dans la fourche. Ouais. Moi. Là, c'est bon. Donc voilà, là on vient de sortir, non pas de l'enceinte du château, puisqu'on est toujours, comme vous pouvez le voir, au pont avec ouais. Brice. On est toujours dedans. Et donc on est plutôt proche de la voiture. Oui. Et on a eu quelques, je ne sais pas si on peut appeler ça des phénomènes. Je ne sais pas si on peut appeler ça des phénomènes, parce que voilà, encore une fois, vous allez nous dire que voilà. Mais on a eu de drôles de bruits, voilà. Des trucs qui sont pas... Enfin, peut-être voilà, même des apparitions, en espérant que j'ai pu les filmer, on verra. Il n'y a pas de coïncidence, cet endroit mal, Brice. Voilà. Donc il n'y a pas trop de coïncidence, enfin c'est quand même assez bizarre, parce qu'on était plutôt tranquille. La première partie, oui, c'était tranquille, mais là par contre, ça commence à devenir assez dégueulasse. De... Et tu viens d'entendre. Encore marcher. Non, là ça a marché, là encore. On entend marcher, mais il n'y a rien. Puis c'est pas la première fois que ça nous fait ça. C'est pas la première fois, Brice, que ça nous fait ça. Et... Putain. J'ai rêvé. Alors, je sais pas si vous entendez. Comme si on essayait de nous foutre dehors, en fait. Ça marche, comme si on nous raccompagnait au pont. Vous voyez, on a la voiture, pourtant. Et... C'est comme si on était en train de nous accompagner au pont qui est juste là. Là voilà l'entrée du château. Putain. Là. C'est quoi ce truc? Ça fait deux fois déjà qu'on entend des drôles de trucs. Des pas, des... On a beau allumer, on voit rien. Pas une bestiole, pas un machin. Donc je sais que les bestioles c'est malin. Et ça c'est encore une caillasse. C'est quoi, c'est bon? C'est bon. Donc excusez-nous, mais là c'est voilà, c'est le coup de trop. Cette fois on s'en va. C'était l'entrée du paranormal.